pas un score, on a le tarte. Je crois les mains au fond, on est comme la tombe. Moi, ça fait 213 jours que je suis pas monté sur scène et j'ai 5 ans d'achat. Eh, c'est bon, je vais recommencer. Non, 213 jours, vous allez applaudir 55 minutes. Y a pas d'humoriste ce soir. Moi, je vais à Stéphane Gorechel. Le French Comedy, faites un maximum de bruit. Faites pas les hypocrites non plus. Personne ne connaît, c'est cool. Le French, bonsoir. Là, j'ai eu un bonsoir d'alcoolique à l'olive. Incroyable, je vous étiez chaud et tout d'un coup, je vous ai refroidi. Le French, bonsoir. Yeah, ça fait plaisir. Qui ici, par applaudissement, n'a jamais mis les pieds dans un comedy club, genre un plateau avec plusieurs humoristes? Alors, par applaudissement, laissez que je passe et les deux mains qui tapent. J'ai pas, il a vu la main. Et moi, la street, applaudissement, une main. Hein, une main, une main. T'as trop l'air de participer, c'est quoi ton prénom? Ouais, non, je crois que tu vas te mettre ta gueule, surtout. Dès que j'ai dit, t'as trop l'air de vouloir participer, elle a fait Ouais, je suis venu de Non, 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 tu vas pas faire de blagues, tu viens de Déborah. Béziers. Oui. Qu'est-ce que tu fous dans une cave un mardi? C'est grave, tu vas faire du surf comme tout le monde. Ah non, Béziers, c'est Biarritz, moi je confonds. Béziers, c'est le maire, voilà, penchant très. Très. On met pas de linge sur le balcon. Voilà, mais il y a que la meuf de Béziers qui peut rigoler à cette blague. Forcément, je suis con, je fais des blagues de Biterrois. C'est ça comment c'est? Oui, c'est ça. Eh, je suis trop fort, Biterrois, bordel. Comment on peut oublier un mot aussi claqué que ça? Comment ça va se passer? Il va y avoir plusieurs humoristes. On va être 7. Et il va y avoir du lourd. Et ça va être très très cool. C'est notre reprise du Golden Comedy au Fridge. On est content. L'ambiance est simple. Sans les 7 humoristes, il va y avoir des blagues. Quand les blagues sont marrantes, tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Les blagues, c'était génial. J'ai l'impression qu'on va en truc politique là. Non, non, non. Quand les blagues sont très marrantes, en plus de rigoler, on. D'applaudir. Yes. Quand les blagues sont pas marrantes, qu'est-ce qu'on fait, on. D'applaudir. On applaudit, on rigole quand même. On est hypocrite comme le monsieur là, ici. C'est, j'aime bien. On a payé absolument aucun centime pour descendre. Hein. Si, il y a des crevards qui vont dire si on a payé les 1€ de frais sur le site internet. Eh, vous allez voir du Romain Fraissinet, du Paul Mirabel pour 1€, donc fermez là, je vous le dis. Ne parlez pas de ce 1€ de frais, il ne compte pas. Dernière règle, au-delà pour rigoler, au-delà pour se lâcher, et surtout, voilà, ne parlez pas entre nous, parce qu'on va vous raconter des histoires, vous faire des blagues, il va falloir suivre, il va falloir kiffer. Comment tu vas, mon ami? Très bien. Comment tu t'appelles? Stéphane. Enchanté, Stéphane, tu es venu avec qui? Azilis. Comment? Azilis. Azilis. Tu te crois dans Astérix, mais surtout, pas quoi. Azilis. Je te présente Fidélis. Ça va, Fidélis, tu vas bien? Tranquille? Ça se passe? Tu fais quoi dans la vie? Je suis libraire. T'es libraire? Parce que t'as plus une dégaine de videur comme ça. J'ai l'impression que c'est un vigile. Tu sais, si je fais des blagues pas marrantes, il va me bien éjecter de la boîte de nuit directement. T'es libraire? Ça marche, je suis libraire en ce moment? Très bien. Moi, je préfère la Kindle, personnellement. Hein. Moi, je préfère la tablette Amazon. Là. Oh, je suis une grosse merde. Hein. Oh, je suis une grosse merde. Hein. Vive le 2.0, vive Internet. Non, c'est pas vrai. Achetez des livres. Achetez beaucoup de livres et allez surtout dans les libraires. Hein. N'achetez pas ça chez la Fnac et tout ça, on est d'accord? Ouais. Non? La Fnac, oh! Okay. Oh! Je peux le faire des phrases là! Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir la première humoriste? Oui! Mais ben, vous m'avez pas respecté, c'était moi le premier humoriste.